suivez Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Ensemble, faisons le tour de l'actualité. À la une de ce soir. L'embuscade des groupes armés terroristes contre les FAMA à Tinzawaten a été soutenue par les renseignements militaires ukrainiens. L'information a été donnée par le journal anglais The Guardian. Vous allez avoir plus de détails sur les motivations de cet agissement ukrainien dans cette édition. Le rapport sur la gestion financière de l'énergie du Mali du bureau du vérificateur général accable la société de production d'électricité Albatros qui aurait reçu plusieurs milliards de francs CFA pour un service non rendu. Des accusations rejetées par l'Albatros qui porte le blâme à son tour sur l'EDMSA. Les explications dans ce journal. Après les inondations de Bla, l'État et les partenaires techniques et financiers sont venus en soutien aux sinistrés. Ils ont reçu des dons de vivres et de non-vivres d'une valeur estimée à plus de 230 millions de francs CFA. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue. Je l'annonçais tout de suite dans les titres. Le bureau du vérificateur général a rendu public le 26 juillet 2024 son rapport sur la gestion financière de l'énergie du Mali. Le document pointe du doigt plusieurs entreprises contractantes de l'EDM, dont la société Albatros, qui aurait reçu plusieurs milliards de francs CFA pour un service non rendu. Face à la presse ce mercredi 31 juillet 2024, le directeur général de l'Albatros a rejeté toutes les accusations et charge à son tour à l'EDMSA. Le point avec Maliki Diallo. Le rapport de 211 pages porte sur la gestion financière de l'EDM de 2020 à octobre 2023. Le document révèle des irrégularités financières qui s'élèvent à 92 milliards 140 millions de francs CFA. Plusieurs sociétés de fourniture d'électricité pour alimenter le réseau de l'EDM sont accusées par le bureau du vérificateur général. C'est le cas de la société Albatros basée dans la région des Cayes. Les irrégularités concernant cette société de fourniture d'électricité sont évaluées à plus de 8 milliards de francs CFA. Le rapport accuse Albatros d'être en partie la source du déséquilibre financier de l'énergie du Mali. Une accusation que le directeur général de Albatros rejette et charge l'EDM d'être incapable de fournir du carburant à sa centrale comme prévu dans le contrat. Alors, moi quand on me dit c'est le déséquilibre EDM, c'est Albatros qui est la cause, non, pas du tout. Regardez notre tarif. Notre tarif, il est quoi? Il est à 24 francs CFA. Okay. EDM vend ses énergies à 130, 150 francs CFA. Nous, nous sommes à 24 francs là-dedans. Okay. Alors, le déséquilibre n'est pas là. Le déséquilibre est certainement pas chez Albatros. Mais évidemment, ce n'est pas du bon business de payer pour quelque chose et de ne rien recevoir en retour. Ça, je suis d'accord. Si vous devez payer 24 francs CFA par kilowattheure, et vous ne recevez rien en retour, je ne fais pas de bon business. Mais après, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi on est dans cette situation-là? Est-ce que c'est Albatros qui est en défaut ou est-ce que quelqu'un d'autre est en défaut? Malheureusement, on attend du fioul. Alors si EDM fournit du fioul, ils peuvent vendre l'électricité produite par Albatros ailleurs. Dans le même document, le bureau du vérificateur général accuse Albatros de facturer chaque mois l'énergie du Mali malgré l'arrêt de sa centrale. La dernière facture révélée par le rapport date de mars 2024 et s'élève à 1 milliard 200 millions de francs CFA. Albatros reconnaît les faits mais se défend. Mais il faut comprendre que 90% des 1,2 milliards permettent de payer les bailleurs de fonds et les caisses de rechange et la maintenance de la centrale. Puisqu'il nous reste encore 14 ans à faire, et au bout de 14 ans, nous allons céder cette centrale à un franc symbolique. Donc, nous avons la responsabilité d'acheter des pièces de rechange, de faire une maintenance efficace, de sorte à ce qu'au bout des 14 ans qui restent de la concession, que la centrale revienne en bon état à l'état du Mali.
C'est ça la décomposition des 1,2 milliards. La société Albatros confirme d'avoir reçu le rapport provisoire du bureau du vérificateur général, mais regrette que ses réponses ne soient pas prises en compte dans le rapport final. Nous sommes très étonnés, je peux même dire choqués, de voir dans le rapport du BVG qu'aucun de ces arguments est retrouvé. Comment vous pouvez dire « Ah, vous n'êtes pas passé par un modèle financier » quand on vous a donné la preuve qu'il y a eu trois modèles financiers, quand on vous donne la preuve que la DNE a envoyé à la CRU en 2014 les modèles financiers. Comment vous pouvez encore dire après dans un rapport qu'il n'y a pas de modèle financier? Je suis d'accord, ce n'est pas ici le décor pour se défendre contre le BVG. On l'a fait il y a 2 semaines, on l'a fait par écrit, officiellement, par la voix de la CRU. Et la CRU a été invitée par le BVG pour défendre le dossier. Albatros se dit prêt à respecter tous ses engagements à condition que le combustible soit mis à sa disposition par l'EDMSA. Par ailleurs, après les cris de cœur des populations de la ville de Blaye, suivis des appels du comité de crise des ressortissants sur la situation d'inondation dans la ville, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu ce mardi 30 juillet 2024 au chevet des sinistrés des récentes précipitations qui se sont abattues sur la ville de Blaye et les villages environnants la semaine dernière. Alors, cette visite, les précipitations ont fait de nombreux dégâts matériels importants. Et pour soutenir les victimes dans ces moments difficiles, le gouvernement a fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur estimée à plus de 230 millions de francs CFA aux sinistrés. Bakary Mcdibé, de retour de Blaye, nous en dit plus. Triste, désespéré, assise devant les décombres de la maison de son mari, totalement abattue psychologiquement, cette femme est l'illustration parfaite des sinistrés des inondations survenues à Blaye la semaine dernière. Face à l'ampleur du dégât, les plus hautes autorités du pays et des partenaires sociaux ne sont pas restés indifférents. Dans l'urgence, ils ont apporté un appui conséquent aux sinistrés. Les agences humanitaires ont décidé d'assister les populations sinistrées avec des vivres et des entrants non alimentaires afin de les soulager. Cette réponse aux nombreux besoins, dont les besoins alimentaires et nutritionnels, pour répondre aux besoins urgents des populations affectées, le gouvernement, le commissariat à la sécurité alimentaire et avec l'appui des partenaires à mobiliser des kits alimentaires, des kits non alimentaires, des kits wash, des abris provisoires, des kits de dignité pour les femmes et les filles et des ressources financières pour assurer un cash transfert. La valeur estimative de cette mobilisation est de 230 770 082 francs CFA. Les actions du genre se poursuivront pour répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées à travers le concours des équipes de veille dûment équipées et installées sur toute l'étendue du territoire. Les premières évaluations des services techniques font état de plusieurs bâtiments écroulés, dont une partie du centre de santé de référence, des biens emportés ou endommagés par les eaux de pluie. Des dégâts qui affectent durement les populations déjà éprouvées par les difficultés économiques. Face à cet appui d'urgence des autorités, les victimes de l'inondation ne peuvent que saluer les donateurs. Ma maison s'est entièrement effondrée, mais aucune perte en vie humaine. Je tiens à remercier la délégation ministérielle pour cette marque de considération. Ces donations nous soulagent beaucoup dans cette épreuve. Nous avons toujours besoin de l'aide, car nous sommes des milliers de personnes dans cette situation ici à Blaye. Je suis très contente aujourd'hui en recevant ces dons. Nous sommes dans une situation de désarroi. Nous remercions le ministre et l'ensemble des autorités pour ce geste. Que la paix revienne au Mali.
Tout en exprimant leur gratitude à l'État pour ces gestes de solidarité, le comité de crise mis en place par les ressortissants du cercle des Blas a lancé un cri de cœur à toutes les personnes de bonne volonté pour venir en aide à leurs parents éprouvés. Cela ne nous surprend guère, parce que nous sommes dans un pays de vieille civilisation, une civilisation millénaire qui a mis la solidarité au centre de ses préoccupations, au centre de ses pratiques. Donc aussi de tels comme incidents arrivés dans une localité, ça nous surprendrait que le gouvernement du Mali ne manifeste pas une telle solidarité. Si cela y est, ça nous surprend guère. Nous, en tant que ressortissants, au nom du comité de stage, du comité de crise des ressortissants de Bla à Bamako, donc nous manifestons notre fierté, notre satisfaction pour cette solidarité à l'égard de nos frères et sœurs qui ont été, comment dirais-je, qui sont victimes de cette inondation. Et nous lançons un cri de cœur à l'ensemble de la population malienne, à l'ensemble, comment dirais-je, des humanitaires du monde entier. Donc de venir au secours de Bla. Une inondation, cette action est ponctuelle. Mais nous demandons également au gouvernement du Mali d'accompagner les autorités locales de la ville de Bla, c'est-à-dire que pour la réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales, parce que la cause vient de là. Afin de minimiser les dégâts liés à l'inondation répétitive chaque année, le ministre de la Santé, lors de cette visite, a invité la population malienne à la vigilance et au respect des consignes des services techniques compétents pour la libération des passages des eaux. En amont, la délégation avait rendu une visite de courtoisie à la chefferie locale, à des parties de la ville en décombre. Les militaires ukrainiens sont venus en soutien aux groupes armés lors de l'embuscade contre les FAMA à Tinzawaten. Le journal anglais The Guardian, dans un article, est revenu sur le rôle majeur que les services militaires ukrainiens ont joué dans la fourniture des renseignements aux groupes armés rebelles lors de l'embuscade meurtrière qui a coûté la vie à plusieurs militaires maliens le samedi 27 juillet dernier à Tinzawaten, dans la région de Kidal, à la frontière algérienne. Omar Kouita nous en parle. En effet, nos confrères du journal anglais sont catégoriques. Les rebelles maliens ont reçu les informations nécessaires pour tuer des militaires maliens et les instructeurs russes la semaine dernière. Ils citent comme source l'agence des renseignements militaires ukrainienne, qui, selon The Guardian, a affirmé avoir été impliqué dans une embuscade contre l'armée malienne. La cible de cette embuscade étaient les instructeurs russes qui collaborent avec l'armée malienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aussi, l'article en question va jusqu'à rappeler les propos du porte-parole de l'agence des renseignements militaires ukrainienne, GUR, Andriy Youssov, qui reconnaît que les rebelles ont reçu les informations nécessaires et pas seulement des informations qui ont permis une opération militaire réussie contre les criminels de guerre russes. Par ailleurs, révèle The Guardian, Andriy Youssov a refusé de discuter sur les détails de l'implication de son pays en déclarant qu'il y en aura davantage de collaboration dans l'avenir. Actualité sur un tout autre plan, célébrée chaque année le 31 juillet, la Journée internationale de la femme africaine a pour objectif de faire le bilan du respect des droits des femmes africaines. À l'occasion de cette journée, des femmes leaders du Mali se sont prononcés sur la situation des droits des femmes au Mali et les défis à relever pour davantage améliorer la situation des femmes. Le reportage est signé Maimouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keïta. Promulguée en 1974 par les Nations Unies, la Journée internationale de la femme africaine a lieu le 31 juillet de chaque année en commémoration du 31 juillet 1962, date à laquelle des femmes de l'ensemble du continent africain se sont réunies pour la première fois et ont créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, l'Organisation panafricaine des femmes. Grâce à l'instauration de cette journée, les droits des femmes en Afrique ont connu une amélioration importante au Mali. Des progrès ont été enregistrés, notamment avec l'application des textes pour la promotion des droits des femmes. C'est une journée qu'on doit vraiment profiter pour le développement humain, le développement de la femme,
l'épanouissement de la femme, l'autonomisation de la femme. Et on sait qu'avec la loi 052 au Mali, que tout le monde connaît, la femme malienne en tout cas a eu beaucoup d'opportunités. Et nous espérons que cette loi va continuer à profiter aux femmes maliennes. Que les décrets d'application soient vraiment pris pour l'épanouissement effectif, l'épanouissement réel de la femme malienne. Malgré la mise en place de certains textes de loi pour apporter une protection aux droits des femmes au Mali, il faut quand même noter que l'application de ces textes rencontre des difficultés. La femme malienne est suffisamment protégée par les textes. Mais il y a un mais qu'il faut toujours poser, c'est que en marge de ces dispositions et de ces principes qui protègent les femmes, il y a nos traditions, nos coutumes qui souvent ne vont pas de pair avec ces textes qui sont prônés. Et ce sont ces principes vraiment qui sont fondamentalement en contradiction avec ces principes prônés par l'État malien qui sont en train de prendre le pas sur les bonnes pratiques. Et c'est ce qui est inquiétant actuellement si nous posons la question des droits des femmes au Mali. Pour lever ces difficultés, il faut donc une sensibilisation autour de ces lois pour une application effective et totale des droits des femmes au Mali. Du 27 au 28 juillet dernier, les limiers du commissariat de police de Yirimajo sous l'égide du commissaire principal Modibo Kadjara et son adjoint, le commissaire de police Youssouf Koulibaly, ont mis aux arrêts 11 individus pour braquage et cambriolage dans leur secteur de compétence. Une arme de fabrication artisanale améliorée a été saisie au cours des investigations. Gabriel Keïta. En effet, selon la cellule de communication de la Direction générale de la police nationale, suite à une filature systématique, les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de Yirimajo sont parvenus à interpeller un individu activement recherché. Dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier, à Niamana, aux environs de 2h du matin, cet individu âgé de 22 ans, connu des archives de la police, était recherché pour des cas de braquage perpétrés à Niamana et à Tabakoro. Une perquisition domiciliaire a permis la saisie d'une arme à feu de fabrication artisanale améliorée. Dans la même foulée, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024, à 5h du matin, une enquête de patrouille de l'unité SUS indiquée, au cours d'une habituelle ronde, ont interpellé 10 jeunes individus pour braquage d'une boutique sise à Missabougou, non loin de l'hôpital du Mali. La justice déterminera le sort des 11 mis en cause. Le chargé du commissariat de Yirimajo, le commissaire de police Modibo Kadjara, rassure la continuité d'enquête et salue vivement ses hommes pour leur bravoure. Aussi, il joint sa voix à celle des autorités policières en exhortant la population à plus de vigilance et de collaboration avec la police. Parlant toujours d'insécurité, les agresseurs à domicile frappe à nouveau dans la région de Ségou. Et oui, les agresseurs à domicile de Ségou ont encore frappé. Ils ont agressé dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 juillet 2024 à Sirakoro, un quartier de Ségou, le fils de Ali Traoré. Et selon le père de la victime, l'agresseur a frappé son fils avec un pilon. À ce jour, la victime est dans le coma à l'hôpital Nyanakoro-Fomba de Ségou. Pour rappel, le 3 juillet dernier, les agresseurs à domicile sont entrés nuitamment dans plusieurs familles dans le quartier de Bougoufié, toujours dans la région de Ségou. Ils ont fait un mort et plusieurs blessés. Sport, Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali est éliminé en football. Ils étaient dans l'obligation de gagner pour se qualifier. Le Mali a échoué en s'inclinant face au Paraguay en 1-0. C'était ce mardi 30 juillet 2024 au Parc des Princes de Paris, comptant pour son dernier match de la phase du groupe aux Jeux Olympiques Paris 2024. Rapidement menés, les Maliens se sont réveillés trop tard
et n'ont pas pu malheureusement éviter une deuxième défaite en 3 matchs de poule. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette élimination de l'équipe malienne? Notre reporter sportive Jelika Guindo a recueilli des réactions des anciens joueurs que je vous propose ici de suivre. Moi, je pense que la responsabilité incombe à l'entraîneur seul. La responsabilité n'est pas partagée et ça incombe uniquement à l'entraîneur. Parce que quand vous voyez une équipe, c'est l'entraîneur qui construit une équipe. Le Mali n'avait pas une équipe. On avait des bons joueurs individuellement, techniquement, mais par rapport à l'ossature, disons, au plan équipe, on n'avait pas une équipe. Alors qu'une équipe, c'est un état d'âme. Donc moi, je pense que l'entraîneur, il a un peu péché par rapport à ce niveau. Aussi, il faut trouver par rapport à l'encadrement, quand tu prends l'encadrement aussi, le niveau de l'encadrement, ça reste à désirer. Parce que Conti, il s'est fait entourer par des gens, moi je peux le dire, par affinité. Alors que l'encadrement, peut-être le niveau de l'encadrement, ça compte beaucoup. Dans un match, l'entraîneur, il est toujours sous pression. C'est ses assistants qui l'aident souvent à prendre par rapport au choix des décisions. Donc on a vu que l'équipe malienne, peut-être, on a mérité le sort qu'on a aujourd'hui. Peut-être on peut dire qu'on a mérité. Parce qu'à ce niveau de la compétition, quand tu n'arrives pas à construire une équipe, le niveau de l'encadrement est là. Donc on ne peut pas espérer mieux que ça. Les facteurs qui ont fait notre défaite et aussi notre élimination dans la compétition est que vraiment quand on parle de l'encadrement, on peut déjà parler sur les choix, que ce soit les choix tactiques, que ce soit les 11 rentrants, on peut dire que l'entraîneur, jusqu'à preuve de contraire, l'entraîneur n'avait pas un 11 type pour débuter un match. Et deuxième partie est que notre staff aussi, la compétence du staff technique, parce qu'aujourd'hui, le football au Mali, l'État met vraiment de l'argent, l'État met en place beaucoup de facteurs pour le développement de ce football-là, ou du moins du sport en général, mais les résultats attendus ne sont pas atteints. Pourquoi ces résultats ne sont pas atteints? Donc aujourd'hui aussi, les joueurs doivent aussi mettre dans leur tête que si on joue dans l'équipe nationale, c'est pour défendre le drapeau national. Pour défendre le drapeau national, il faut avoir beaucoup de personnalité, beaucoup de motivation, et beaucoup vraiment de courage pour vraiment que le peuple soit satisfait vraiment du résultat. Voilà, le Mali éliminé également en football aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et nous refermons cette édition par ce message de soutien et d'encouragement aux forces armées et de défense de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali. L'Association des promotrices d'écoles privées du Mali adresse ses chaleureuses félicitations au FAMA et les assure de son soutien indéfectible. Que le bon Dieu sauve et bénisse notre patrie. Le message est signé Madame Camara Nana Khadija Kone, présidente nationale de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Surtout, merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.